quand tu vois que la vie me dépasse, que je me crois perdu malgré toi, et quand mon cœur naissent les angoisses, protège-moi, protège-moi quand tu vois que je pleure en silence. Serre-moi fort, très fort contre toi. Sèche mes larmes et par ta présence, protège-moi, protège-moi, calme-moi en caressant mon front, grise-moi en répétant mon nom. Viens mon amour à mon secours et donne-moi la force si tu m'aimes pour écraser la peur qui monte en moi contre la vie, contre les gens, contre nous-mêmes. Protège-moi. Vicky n'est pas avec toi? Il est malade? Non. Il ne vient pas? Tu sais ce que c'est, il avait rien trouvé à faire aujourd'hui. Il avait peur. Un de ces jours, Taretta le videra d'ici. Oui. C'est Taretta qu'on devrait vider. Tu ne trouves pas? Avant lui, c'était bien mieux. On chapardait un peu, mais c'était tout. Depuis qu'il est là, ça tourne plutôt moche, non? Paul, qui a piqué son collier à une bonne femme. Non, mais tu te rends compte? Il nous forcera bientôt à faire des hold-up, Taretta. Ça me fait peur, moi. Oui, moi aussi. Un coup de whisky? Tu bois trop, George. Ça te jouera des tours. Quoi, tu bois pas assez, Jalk. Ça te rendra neurasthénique. Jalk a raison. Tu finiras par perdre la main. Oh, René, fais voir. Touche pas ça. C'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Le donne pas à Taretta, dis René. Il y a si longtemps que j'ai envie d'un truc comme ça. Oh non, mais ça va pas. Je vais pas me filer Taretta à dos. Il ne sera pas. Bon, allez, ça va, mais plante-le. Que t'es toujours amoureuse de lui. Et alors? Je pense que Taretta n'aimerait pas que ça se voit trop. Allez, Rico, joue-nous quelque chose. Oui, attends, tu vas voir. Voici l'histoire de Sammy qui était né en Californie. Il aimait bien rester au lit près de sa pépé jolie. Sammy, lève-toi car le camion est là. Sammy, crois-moi, t'as du travail là-bas. Sammy, Sammy, ton patron crie très fort. Il dit qu'il te mettra dehors. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps, oh, 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 oh. Lorsqu'on t'attend, oh, 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 oh. Toi tu en ris, oh, 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 oh. Tu traînes au lit. Et cette histoire
l'histoire de Sammy dure depuis cette belle nuit où pour les yeux d'une beauté l'amour l'a transformé. Sammy, vas-y, le camion va partir. Sammy, dis-lui que tu vas revenir. Sammy, Sammy, elle est jolie, je sais. La vie, Sammy, ça ne se passe pas couché. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps. Oh, 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 oh. Lorsqu'on t'attend. Oh, 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 oh. Tu prends ton temps. Oh, 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 oh. Tu traînes au lit. Allez, pleure. De Sammy qui était né en Californie, il aimait bien rester joli, son job il le perdit et sa pépé. Une fois, mets-moi une en croco. Suivant. Un collier d'argent. Tu confonds l'argent avec l'acier, toi, maintenant? Quoi, c'est pas d'argent? Non. Je pouvais tout de même pas le demander à la bonne femme? Huit boîtes de sardines. Un stylo. Mais cassé. Deux bouteilles de Beaujolais. Alors? Rien pour aujourd'hui. Pas eu de chance. Voilà. Tu te fous de moi? Et ça? Ta souris se fait payer avec ses économies? Donne-moi ça. Un bracelet. Et en argent, celui-là. Ça vaut pas lourd, tu sais. C'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Toujours mieux que rien. C'est tout? Tout le monde est passé? Ton petit copain Victor. Il est pas là, ton petit copain Victor? Il est allé au doc. Il avait repéré quelque chose de pas mal à faire. Au doc? Pisser dans le port, oui. C'est tout ce qu'il est foutu de faire, ce morveux. Rien. T'es blessé? Ah non, non, c'est Prince qui m'a mordu. Dis donc, tu ramènes quelque chose au moins? T'en fais pas. Tiens, le petit Victor! Eh ben, madame, on croyait que le vent t'avait emporté. Alors, Al Capone, qu'est-ce que tu nous ramènes? Un sang de mégot? Dites non, il enfonce tout le monde, le petit Victor. C'était un gros type, un vrai costaud. Je l'ai attaqué, là, et bing! Regarde, rappelle-toi que la vie n'est pas éternelle et que le Seigneur t'attend. Va et ne pêche plus. Vous qui pleurez, venez à moi. Le Seigneur juge tes actions et il te dit, voici le droit chemin. Tu te fous de nous, dis. Tu te fous de nous? Mais écoute, je savais pas. C'est un type qui me donnait 50 balles, je lui ai pris son portefeuille. Pourquoi pas son crucifix pendant qu'il y était? Alors monsieur s'attaque au gars de l'armée du salut maintenant? Non, mais écoute. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le portefeuille à part le serment? Rien, moi je sais pas, je l'avais pas ouvert. Mais à d'autres, hein? Je te jure que je l'avais pas ouvert. Non, t'as pas le droit de dire ça. Et les 50 balles? Tiens, les voilà.
Bah, je te lirai. T'arrêtes. Ta gueule. 50 balles. 50 balles et un lot de serment. Et un portefeuille qui est même pas en cuir. Voilà ton butin en 6 mois. T'es radié du club. Barre-toi. Barre-toi! Minute. Quoi, minute? Minute, tu me feras Bogart. Victor fait partie des fondateurs du club. Personne n'a le droit de lui dire de s'en aller. Les fondateurs du club. Ah ah, je m'en balaye. C'est rien que des lavettes. C'est pour moi que tu dis ça? Pour le portefeuille, ça fait du bien. Enfin, Dieu, ça va barder. L'agent qui se réveille. Écoute, Luciano. Écoute bien ce que je vais te dire, John Dillinger à la manque. Tu nous les casses. Tu nous les casses à tous. Personne n'a encore eu le culot de te le dire. Mais moi, je te le dis. Et je ne te dis pas ça uniquement parce que tu as pris ma place ici. Et pas ton l'air par la même occasion. Mais parce que tout le monde, tu entends en assez de te voir. Qu'est-ce que tu fais d'autre depuis que tu es parmi nous? Que te sucrer sur notre dos et de forcer des gosses à faire des coups qui finiront par les envoyer en cabane? Alors écoute, s'il y a quelqu'un qui doit se barrer du club, ce n'est pas Victor. Tu m'as compris, Al Capone? Ce n'est pas Victor! Tu devrais prendre du café noir, tu sais. Ça énerve les mous. Ça calme les nerveux. Et toi, ça te rendrait peut-être moins con. Ça va, on sait que t'as gagné. Ah oui. À qui le tour maintenant? Personne pour soigner monsieur? Personne? Je vais lui faire prendre l'air moi-même. Et voilà. Bah, approche. Je vais pas te manger. Ça arrive qu'on se trompe, non? J'ai peut-être été un peu vif. Ouais, tu pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans ce portefeuille. Non. Le type, il sort... Prince, son... que tu l'appelles? Ah, oui. C'est marrant. Tu comprends, le type, il sort son portefeuille. Moi, j'ai cru que... Pourquoi tu le couvres comme ça? Qui? À ton singe. Ah. Pourquoi tu le gardes pour toi tout seul? Ouais, tu devrais nous en faire profiter plus souvent. En vrai, les gars, qui devraient nous en faire profiter plus souvent? Pour vrai qu'il ne peut nous faire profiter de son singe? Tu l'as volé, non? Oui. Alors, c'est ce qu'on veut, on le partage, mon vieux. Moi, je veux bien qu'on joue avec, moi. Non seulement, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Non, c'est très, très fragile, un capucin. Si tu veux, je viendrai plus souvent avec. Hein? C'est marrant. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle le partager, moi. Bah, oh, oui. Partager, c'est donner sa part à chacun. Ouais, comment veux-tu que je fasse? En ça, je peux pas le laisser ici tout le temps, il mourrait de froid. Et puis, non, je t'assure, c'est vraiment très, très, très fragile. Et peureux, non? Aïe! Mais il mordrait, dit! Non! Quoi, non? Tu lui fais mal. Comment? Mais... Tu lui partager, partager. Rends-lui son singe, t'arrêtes là. C'est partager. C'est ce qui s'appelle partager. Non, non, il faut pas faire ça. Le découper. Oh! Prends la tête, non. Ensuite les pattes. Comme ça, il y aura un petit bout pour chacun. Si c'est une blague, t'arrêtes, elle a assez duré. Ah! Oh. Jette ça. Tu le jettes, oui? Lâche, prince. Jette ça, je te dis! Lâche, prince. Bougre le con. Ça m'en veut.